relations toxiques, c'est un danger pour santé mentale avec bien-être. Pendant qu'on cherche le soleil, relation lui-même c'est gros cyclone pour te barre seulement. Pour te ou pas venir dans relation pour te sentir mal, ou pas venir dans relation pour t'ignorer, pour t'apprécier. Non du tout, parce que vous méritez plus que ça. Vous méritez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est ça qui fait je dire, moi pour te quelques conseils qui, je l'espère, à petit loup pour sortir dans relation toxique là. Et puis, oui. Bonjour, je suis Louzandré Calais. Pour sortir d'une relation toxique, faut qu'on ait une relation toxique. Ça peut paraître bizarre, mais un peu de monde qui a une relation toxique et puis il n'y a jamais eu compte de ça. Donc, faut qu'on analyse la relation pour comprendre est-ce que le toxique. Posez cette question. Est-ce que vous reconnaissez c'est tout. Dans quelques signes que je t'ai parlé de une vidéo que je t'ai fait pour la relation toxique là. Est-ce que vous remarquez que vous avez des bails mais que vous n'avez pas de bails? Est-ce que vous sentez que vous avez cherché à manipuler ou que vous avez cherché à contrôler la vie? Posez cette question, identifiez si la relation là qui est quelque chose toxique là dedans et puis à chercher qu'on est dans qui sa relation toxique. Si vous finissez chercher, vous venez rendre compte que la relation là toxique, il est primordial que vous preniez décision pour quitter la relation toxique là parce que ou pas arrêter nos relations qui pas fort grandir. Ou pas arrêter nos relations côté ou pas senti que vraiment côté ou pas senti que respecte. Quitter relation pas veut dire forcément quitter relation tout court. Ça ca veut dire changer relation pour faire les venir l'autre type de relation, une relation qui est en santé. Mais dans les deux cas, quitter soit quitter relation définitivement ou bien transformer relation en autre chose, il est important que vous exprimez sentiments. Pour exprimer sentiments pour partenaire ou un icône qui j'en vous sentir. Façon ou pral exprimer sentiments sera très 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 important. Pour qui ça c'est parce que ou pas doué bay moun nan impression qu'a blâmer parce que en sérieux, pas gen moun ki remè qu'a blâmer yo. Et puis moun nan ka nerve tout moun nan quand même pas tant de reste so ap di yo. Mais non plus ou pas doué tellement à passer à côté que ou pas di moun nan so vle dire parce que soit passe dans plusieurs chemins pour dire so envie dire pour parler de qui j'en sentir ou ça a tout simplement diminué force ça que ou envie dire. Il est donc important pour focus sur qui gens ou à parler de qui gens ressent tout là. Au lieu ou dit des bagages du genre OK, on suppose que un monde pas connait relo, il pas connait crew, il pas connait vidéo. Au lieu pour dire ah, tu ne m'invites jamais, tu ne m'appelles jamais, si c'est pas moi qui relo, pas appeler, si c'est pas moi qui crew, pas avec crime. Au lieu dit comme ça plutôt ou dit mon qui gens sentir. Donc moi c'est triste, ça fait mal du fait que souvent, c'est moi qui toujours après l'eau ou par l'élève, c'est moi qui écris ou si je ne pas invité ou pas invité. Plus focus sur qui j'en sens tout que ça, mon enfer. Partie communication, ça, partie exprimer son sentir, une raison qui fait super important, c'est parce que ça peut renseigner sur est-ce que la relation t'a supposé continuer, dans le sens que nous te l'aide de faire effort pour lui, ou bien est-ce que t'a tout casser ça. Parce que au fin de dire que j'en sentir et qui montre le paquet, c'est clair que. Désolée, mais on suppose sortir dans une relation, ça tout simplement. Il est difficile pour nous quitter une relation définitivement parce que nous sommes sortis confortables à donner, parce que nous sommes chargés d'habitude. Et les poussins sont confortables à bon côté, sortir, il est difficile. A toujours un paquet de souvenirs qui monter parce que tu as l'habitude. Il est assez étrange, mais. Peu importe à qui point nous avons souffert nos relations toxiques, nous toujours quitter laisser nous focus sur bon moment. Nous dit tête nous ah peut-être que c'était pas si mal que ça en fait compte parce que l'était ceci, l'était cela, mais non 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 non. Souffrir fait toute route ça pour identifier les relations comme toxiques, pour parler de son senti, pour décider sortir la donne ou pas qu'à fin sortir la donne et puis pour vouloir alterner la donne encore. Couper toute forme de communication. Depuis ça possible, couper toute forme de communication. Pas faire appel, pas reler les gens, pas écrire, lui mettre coup, lui mettre l'eau, pas répondre. Parce que, ou finir avec ça, ok? Ou finir, jouer une force pour sortir dans la relation toxique, ça, ou de être ferme sous décision. On a toujours un paquet d'envie qui a monté. On a paquet d'envie reler les gens, parler avec lui, on a paquet de souvenirs, ou supposer être ferme, tout simplement.
pas al tombé dans piège, ok, nous pas amis encore, mais qu'a toujours parlé. Pas al tombé dans piège, nous pas ensemble encore, mais qu'a toujours été amis. Non, 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 non. C'est un très gros piège parce que le fait que soit une relation, soit retenir la logique, nous qu'a toujours continué parler, nous qu'a toujours amis, a juste tombé encore et tout effort qu'on a fait, il a programmé ici. Peut-être que un pile monde qu'a pas pensé avec ça. Mais dans ce genre de situation, l'entourage qu'on gagne est très important. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a une force morale pour résister à la tentation, pour tourner dans une relation toxique. Donc, il y a des gens qui ont besoin de support, d'entourage. C'est ça qui fait qu'on doit entourer avec des gens qui sont positifs. Gardez dans l'entourage bien. Est-ce que dans l'entourage, on ne peut pas être des gens qui ont une relation toxique? Si c'est oui, comment se ralentir sur mon sao dans moment quoi essayer guérir de relation toxique, essayer plutôt attirer monde qui positif, parce que non seulement mon sao positivité wa il y a contagieux ou apprendre tout et quoi ka commencer cultiver quelque pensée positive, mais yo même tout yo ka supporter dans ce si yo ka pas la voir ou ka expliquer qui j'ai relation té qui j'ont senti ou yo ka aider ou si ou senti que tu as envie tourner dans relation toxique quoi. Si ou commencer à guérir de relation toxique, un point essentiel dans la guérison, c'est prendre l'habitude de répéter tête une série de bagailles qui pour booster l'estime de soi, qui pour booster la confiance que vous avez dans tête. Parce que si vous voulez sortir d'une relation toxique, vous tellement habitué à sentir pas assez, vous avez un paquet de points dans vous-même que vous avez minimisé. Prendre l'habitude de répéter tête une série de bagailles pour je suis assez, je mérite que vous aimez moins fort. OK, on parle d'une fois. Moi intelligent, moi belle. Ça qui intéresse au point qui n'en goût qu'on a l'impression qu'il était juste descendre côté blier, répéter des choses jusqu'à ce qu'on ka croire dans yo, parce que ça a aidé au, ça a aidé au pour faire estime qu'on gagne peut-être ou li grandi. Travaille sur tête ou, prends soin tête ou, apprendre découvrir tête ou avant d'engager dans l'autre relation. Parce que souvent lorsque nous relations sont toxiques, on guette des passés. Ok, c'est cette personne qui était toxique. Mais gros problème avant tout. Il y a un problème non qui fait que t'es d'accord et t'es dans une relation toxique là. Donc on doit identifier qui s'allie. Est-ce que c'est parce que j'ai un besoin énorme de dépendance? Qui ça qui pas marcher là quand même qui te fait que t'es dans une relation toxique là et que t'es décidé de t'arrêter? Faut qu'on identifie ça ou et faut qu'on travaille sur l'idée. D'ailleurs, plus tu t'es resté longtemps dans une relation toxique, plus tu as une tendance pour attirer par une série de monde qui a relagué ou dans une relation toxique encore. Donc c'est une très très important pour travailler sous tête ou pour apprendre à découvrir tête ou pour venir un plus bon monde avant que ou engager tête ou dans une relation. Quitter une relation toxique pas toujours facile. En fait, il pas vraiment facile parce que gain habitude, gain sentiment qui t'est d'apprendre en pile place. Mais si vous décidez comprendre qu'on mérite plus que ça, si vous décidez comprendre que ou pas qu'à souffrir, que ou mérite pour content, ou mérite pour épanouir, ou a juste sorti dans une relation toxique ça. Et c'est quand un processus qui est long, il faut mal tout, il faut souffrir en pile. Mais dans quelques mois, dans quelques années, je suis sûre et certaine que si vous êtes sorti dans une relation toxique, vous avez juste remercié tout pour ça. Parce que vous avez connu que vous avez pris une plus bonne décision pour être. Parce que pas aucune amitié, pas aucune amour, pas aucune relation de travail qui est plus important que bien-être. Pao. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Après. En plus, mon témoignage pour des faits sujet ça, pour je dire. Je vous remercie vraiment d'être là chaque lundi, sérieusement. Et puis j'ai vraiment aimé cette semaine parce que la semaine dernière, j'ai atteint 6000 abonnés sur Instagram. Youhou! Même si je n'ai même pas 400 abonnés sur YouTube, je ne sais pas quel est le problème. Nous décidons pas décider d'abonner à chaîne YouTube là, mais je suis vraiment contente que tu t'es abonné à Instagram, nous augmenté. Et puis il y a le bagage qui fait un plaisir encore, c'est que t'as eu un peu d'interaction entre moi-même avec Odias moi la semaine passée, un peu de monde qui réagit sur la relation toxique là, et j'espère que ça va continuer comme ça, que nous continuons à réagir et que nous sommes toujours là chaque lundi pour nous supporter les vidéos, pour nous partager, pour nous faire connaître ça nous passer. Ok, à lundi pour la prochaine vidéo.